C'est pas comme j'ai souvent fait une œuvre à texte, mais c'est inspiré en tout cas par un texte que m'avait écrit Thomas Brando, comme je fais souvent, qui fait finalement un texte d'intention auquel je me réfère pour ensuite penser l'œuvre, la composer, établir le projet. Et j'ai fait appel, comme je l'ai fait aussi d'autres fois, à diverses personnes, un peu dans le même esprit qu'un réalisateur de cinéma qui va réunir une équipe et qui ne fait pas tout lui-même, mais qui fait même, si j'ose dire, presque rien au moment du tournage. Enfin, il y a une forme de direction d'acteur, etc. Mais après, les décors, les costumes, même le montage, tout ça n'est pas fait par lui. Et alors moi, je fais la réalisation, on pourrait dire que je fais le montage, si on peut dire, mais en utilisant des enregistrements, des prises de son que j'ai demandé à 5 personnes, en fonction justement du projet, c'est-à-dire en fonction de l'idée que j'ai longuement mûrie, longuement réfléchie, et qui me permet donc ensuite de pouvoir insérer toutes ces propositions extérieures qui, effectivement, ne sont pas de moi, et ce que je préfère parfois, parce que j'ai un meilleur recul d'une certaine façon là-dessus, et puis ça m'oblige à trouver des solutions, donc de les insérer dans le projet. Alors, le projet fonctionne aussi avec cette idée que je voulais partir de quelque chose qui pourrait correspondre à des standards un peu fréquents de la musique acousmatique, qui sont ces musiques que j'appelle les musiques à explosion, qui n'arrêtent jamais de faire des tensions détentes, et qui sont assez bavardes et assez abstraites en même temps, et que moi je trouve souvent pas très intéressantes. Et donc je suis parti de cette base-là, et donc j'ai fait faire à un des partenaires une musique de 30 minutes, de ce type, très, je lui ai demandé, très standard, très académique et assez vide finalement, qui n'est faite que d'écriture, de tension, explosion, etc. Et ensuite, avec les autres prises, les autres captations que j'ai demandées, qui sont des captations beaucoup plus intimistes, mystérieuses, un peu énigmatiques, que j'ai demandées aux autres personnes, l'idée était justement de faire des brèches dans ce... Dans cette continuité bavarde et tonitruante, pour y insérer justement dans ces déchirures, dans ces failles, y insérer des choses qui attirent plus l'écoute d'une façon, qui vont faire que l'auditeur, je l'espère, sera pas seulement submergé, enfin même pas tout le temps submergé, mais sera actif, c'est-à-dire que de temps en temps, il tend l'oreille au lieu de tout recevoir en pleine figure en permanence. Mais c'est vraiment ce travail de forte imprégnation et de forte cohérence, exactement comme un acteur qui va tourner un film va s'imprégner de son rôle en allant, s'il doit être médecin, ben, faire un stage, passer 15 jours, 3 semaines dans un hôpital et se mettre vraiment dans la peau d'un médecin. Moi, je me mets dans la peau de mon projet, de ce que ça doit dire. Je le vis, je le ressens et j'essaye de le faire ensuite partager. J'ai côtoyé beaucoup de gens qui ont des problèmes psychologiques aussi et qui m'ont pas mal ouvert les yeux. Et j'ai effectivement dans mon catalogue d'œuvres, aussi bien instrumentales qu'acousmatiques, j'ai un certain nombre d'œuvres qui traitent de problèmes psychologiques, qui sont regroupés dans un cycle que j'appelle le livre des désordres. Parce que j'étais très proche de gens comme ça, donc aussi bien sur des périodes de forte dépression que les périodes maniaques chez les bipolaires, etc., qui pour moi sont musicalement aussi, faisant abstraction de ce à quoi ça correspond dans la vraie vie, mais musicalement sont des modèles aussi intéressants, je trouve. Et finalement, je travaille sur modèle, on pourrait dire. Then, Brutus, I have much mistook your passion, by means whereof this breast of mine hath buried thoughts of great value, worthy cogitations. Tell me, good Brutus, can you see your face? No, Cassius,
For the eye sees not itself, but by reflection, by some other things. The eye can't see itself except by reflection in other surfaces. J'habite en toi. Lové. Lové, prêt à bondir.